vois un peu des trucs comme ça, quoi. T'en dis quoi? Et la cymbale, on la rajoutera après, quoi. Bonjour, je m'appelle Romain Mazurik, j'ai 25 ans et actuellement on est au Secret Place. Pour quelle raison? Parce que j'ai envoyé des démos, je suis auteur-compositeur-interprète en fait de mes chansons et ils ont trouvé ça cool et du coup on enregistre en ce moment. Avec qui? Avec Frédéric Loumagne, au studio Las Vedas. Comment ça se passe avec Fred? Bah super bien, ça fait mon deuxième jour là, on taffe à fond et... On va sortir peut-être un EP si ça marche, si ça continue, si on aime ce qu'on fait. Et voilà. Musical, j'ai beaucoup d'influences rock années 60-70 et je me définirais quand même comme du rock indépendant. Voilà, je fais ce que j'aime. Dans mes textes qui sont en anglais, ouais, ça parle d'amour en fait, des choses simples, efficaces. Je me prends pas la tête avec des textes poétiques, mais sinon, voilà, je préfère rattacher des accords, une mélodie à un texte plutôt qu'écrire des choses qui ont de l'importance. Pourquoi les textes en anglais? Je trouve que la langue anglaise sonne bien. Même si j'ai écrit déjà des textes en français, je préfère chanter en anglais pour l'intonation de ma voix. C'est un très bel endroit, j'y étais déjà venu pour voir des concerts et actuellement je suis très très content d'être ici car du très très bon matos, c'est super, c'est une opportunité aussi pour moi de m'enregistrer, voilà, faire un EP propre, fini. Avec Panda. Avec Panda, exactement. Ouais. Romain, on l'a découvert cet été. Il nous a contacté plus tard pour nous envoyer sa maquette. On a écouté avec Fifi, on a trouvé ça très bien et on s'est dit bon ben, il faut l'aider à sortir quelque chose. Donc on a sélectionné des morceaux parmi tous les morceaux qu'il nous a envoyés. Et là, en fait, le travail est de les réenregistrer de manière un peu plus pro et surtout d'amener son projet à grandir. Et à évoluer quoi, vers quelque chose de plus, de peut-être un peu plus mature. Le studio Las Vedas, il évolue aussi. Aujourd'hui, on a de moins en moins de concerts vu les conditions sanitaires. On utilise de plus en plus la salle pour faire des prises, quoi, parce que la salle elle a un super son pour faire des prises. Donc voilà, on fait des prises ici, des prises en haut. C'est un laboratoire de son, Las Vedas, quoi. On utilise des tricks, on a différentes batteries, différents amplis, différents effets, et on essaie de forger un son à chaque personne qui vient enregistrer chez nous, quoi.